Je suis Pierre Lyon, je suis VP Sales de MongoPay. Chez MongoPay, on a développé une API de paiement 100% personnalisable, dédiée au marketplace, aux plateformes de crowdfunding et à l'économie collaborative en général. Chez MongoPay, on a une licence d'émetteur de monnaie électronique, qui est une licence bancaire valable dans les 28 pays de l'espace économique européen. Et donc, on permet à toutes les places de marché, aux plateformes de crowdfunding et à l'économie collaborative de pouvoir générer de manière sécurisée les paiements sur la plateforme et de pouvoir dispatcher en fonction des bénéficiaires. On travaille aujourd'hui par exemple avec Rue du Commerce, Price Minister ou des gens comme Ulule, et ça leur permet de gérer facilement les paiements sur leur plateforme et de pouvoir les sécuriser et les redispatcher. Depuis quasiment un an, jour pour jour, on fait partie du groupe Crédit Mutuel Arkéa. Donc c'est ce qui nous a permis de se développer fortement. D'abord en France, en ayant un service support dédié, en signant des grands marchands comme La Redoute, par exemple, récemment. Et cela nous a permis aussi de nous internationaliser, puisqu'aujourd'hui, on a un bureau à Londres et un bureau en Allemagne. On est en train de développer l'Espagne, l'Italie. Et puis, ça a également permis d'investir dans notre produit, donc dans notre API, en offrant notamment des moyens de paiement de plus en plus nombreux, que ce soit en France, mais aussi des moyens de paiement internationaux et locaux pour chaque pays européen. Et puis, on continue d'innover à la fois sur des nouveaux marchés, parce qu'aujourd'hui, on adresse plus seulement les places de marché, le crowdfunding, mais également les franchises, les syndics de copropriété. Et on a développé des fonctionnalités plus en plus innovantes comme l'ibanisation des e-wallets de nos utilisateurs finaux ou bien la possibilité très bientôt, et c'est une avant-première, de pouvoir générer des cartes de paiement par utilisateur. Et donc on voit derrière les utilisations et le marché qui peut être intéressant.